It isn't like we needed help, you know. We almost had him. You. I know that face. Come to the village by the waterfall. Sorry I can't stick around to hold your hands on the way. Thank you for saving us. Tellement mystérieuse. Everyone all... Yes. I'm fine. I'll live. Hey, give me a break, huh? You'll live. That guy back there? I don't care how much of Malpertio's power he packs. Next time I see him, I'll make him regret he ever met me. That lady, someone said she's a hunter, living in the mountains. Why did she help us? She countered that man's, Falan's attack with ease. Anyway, let's get moving. We gotta find this village of hers. On va quand même repasser, se reposer, monter de classe, de niveau sans doute, à Kokomai. C'est vrai qu'il y a personne de la famille Yakuzman ici. C'est surprenant. Attends, je vais devoir faire le... Non, je m'en fous, non. Oui, je reviens après, bisous, Madame la Plante. Non, je vais aller au temple. Commencer par la constellation. On a récupéré une ou deux depuis qu'on l'a vu, lui. Bonjour, tu as trouvé les fragments ? Oh, merci! Voyons voir, aujourd'hui tu m'as apporté cocher taureau. Je te suis vraiment reconnaissant. Je peux commencer à travailler? Oui. Très bien, procédons à la restauration. Bien. Constellation restaurée, cocher. Constellation restaurée, taureau. C'est tout ce que nous pouvons restaurer pour le moment. Car cette fois, la garde de la maison, je vous donne son lustre d'autrefois. Merci, prends ceci en témoignage de ma gratitude. Le Magnus Glaçon. Magnus voix 3. Merci papy, c'est de la merde. Rien de particulier. Oui, je serai prudent. Bisous papy. Bienvenue, cher aventurier, dis-moi quel est ton souhait. Ouf, plus 3 niveaux pour Kalas. Plus 3 niveaux pour Gibari. Plus la classe. Il va falloir remettre des trucs. Oh, plus 4 niveaux pour Sheila, incroyable. Et la classe aussi. La classe pour Lyud. Et 2 niveaux. On va d'abord passer au magasin, avant de refaire les decks. Acheter, vendre. Je vais d'abord vendre, s'il te plaît.
Bon, en vrai, ça, on va le vendre. Ça aussi. La branche, on va la vendre. Ça aussi. Oh, 3000 balles. Le vent s'en fiche. Ça, on en a trop. Ça aussi. Coucou Kushi. Ça, on va peut-être garder. Ça, je pense qu'on peut vendre. Ça aussi. Oh, c'est vrai que j'ai de l'alcool de riz. Ouais. Kibari, je les vends. Kalas aussi. Ça, on peut vendre. Ça, on garde. Ça, on peut vendre. On vend, on vend, on vend. Garde, garde, garde. On se vend, branle. Ça, on vend. Ça, on vend. Ah, c'est une photo. Et lui, 100 balles. Et squelette, 900 balles. 1800 balles. 1000 balles. Ça peut devenir des objets de collecte. Ah oui, si on les laisse vieillir, on va garder un peu. 2000 balles. Ça, on en a déjà. Un. Ah, on va le vendre, a priori. Énorme. Ça, je m'en branle. Je m'en branle. La bombe, je la garde. Incroyable, une bombe. Le boss, on va le laisser développer un peu. Ok. Quitter le magasin. J'ai faim, j'ai faim. Pioche, Kalas. Est-ce qu'on a récupéré des trucs? Sachant que lui, il n'y a plus de place. La bombe, j'aime bien la bombe sur Kalas. Pas pourquoi. Presse de quoi? Défensivement, il est pas mal déjà. Un saut là, hop là. Ah, le son est toujours horrible dans le menu de la pioche. Ok. Gibari, il lui faut 10 trucs. Lui en plus, ça lui fera les pieds. Une pagaie qui traîne, une autre. Notre baguette, c'est horrible, le son est absolument horrible. Une carte fuite, c'est pas déconnant. Une canne à pêche parce que c'est un pêcheur. Le son. Ouais, le son dans ce menu est insanément horrible. Hein. Allez, on y est presque. Ouais, Sheila. Sheila, on est pas parce que. Bon, son micro est vraiment fait par rapport au jeu. Et bah, je vais baisser un peu son jeu et augmenter le son micro. Ça devrait être un peu mieux ici. Ah bon, on va lui mettre un autre finisher. Du défensif qui traînait. Un flash lumineux. Un peu de défensif, il en a déjà trop. Hanche, elle a très peu d'huile. Merde. Mais non. Ah, je crois qu'elle a très peu d'huile, donc on va lui mettre des fraises. Au secours. Au secours, le son, je vais crever. Adieu, je vais mourir. Là, je suis vraiment en train de décéder. En vrai, on peut lui mettre des sorts de feu en mode YOLO, quoi. Parce que. Ah, il y a un sort de light qu'on avait pas vu là. Faut qu'elle ait un peu de tout, quoi. La magicienne. On va lui mettre un deuxième truc de huile. Et Liud. Liud, c'est pareil. Tac, tac, tac. Un peu de défense, un peu d'attaque. Boum. Il a l'air des trucs pas mal en vrai, ce petit con. Boum. Boum. Voilà. J'ai envie de switch Liu des Gibari là. Non. Non, c'est vrai que le test avait pas été concluant. J'ai pas regardé pour acheter, quel connard. Est-ce qu'on avait vidé son stock à celle-là?
qui va aller. Désolé, on va retourner dans le menu. Je suis désolé, on va retourner dans le menu des Magnus. J'adore ça, les Magnus. Ouais, je coupe le son. En vrai, je peux faire ça. Couper le son. Comme ça, il n'y a que moi qui ai un son horrible et pas vous. Voilà, on coupe le son pour les Magnus. Comme ça, moi, je souffre, mais pas vous. Et c'est l'essentiel. Du coup, Sheila, on va lui remettre de la lumière à la place du feu. Il est où le feu ? Non. Ouais. Oui, je sais. Faut juste pas j'oublie que j'en mette le son après, sinon j'ai vraiment l'air d'un con. Et en vrai, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Ouais, des bananes. Ça lui fait trop d'huile là, je pense, pour le coup. Ouais, on va mettre un sort de feu. Ellie, j'ai pas rechopé un truc. Ah non, c'est pour Kalas. Kalas. Mais ça, c'est combo 1, combo 2. Mais je crois que j'ai pas pu la jouer en premier tout à l'heure. Je peux vérifier. Non, ça, c'est combo 2. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a surpris d'être du combo 2 aussi ? Non, ça, c'est combo 1-2. Ça, c'est. Ah ouais, la lame de vérité, c'est combo 2 uniquement. Et elle a plus d'argent aussi ? J'ai l'impression que j'avais une main où j'avais plus d'opening. Ok. Que j'augmente mon son micro de manière générale. Ok. Hop. C'est noté. Là, je l'ai remonté. Je vais le remonter encore un peu. Hop. Hop. Voilà. Après, moi, j'ai toujours le stress de la saturation. Tac, tac, tac. Là, 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 là. Bon, ça devrait être mieux. J'espère. J'espère. Bref, on disait que je comprenais pas trop, mais qu'au moins de ça, on peut l'enlever. Et en vrai, ce sont bien les épées de vérité, mais elles bouffent vraiment mes combos ténèbres, quoi. Mais elles sont vraiment costauds. Ça, je le joue jamais. Et ça, faut que j'enlève. On va mettre ça et ça, hein. Et on remet un sabre quand même. Ok. Ok, deck refait. Bon, on va aller faire encore. On va jouer encore une petite heure. C'est des cons, mais ils ont une belle ville, ces mecs-là de Kokomai. Du coup, allez voir notre sauveuse. Est-ce qu'on... Ah ouais, en vrai, non. On va d'abord aller chercher le coffre. Ça va bien, les conneries. Hein. Remets le son du jeu. Et ben voilà. J'avais dit. J'avais dit que je risquais de l'oublier. C'est bon. J'ai bien vu qu'il y avait un coffre, fallait que je revienne. Ça va, c'est pas le pire. C'est pas comme la forêt interdite là où fallait vraiment se retaper 4 écrans, 8 combats. Là, c'est cadeau. C'est le journal d'un ancien militaire en chef. On dirait que quelqu'un l'a consulté récemment. Tu veux le lire, Avrose ? Bien sûr. Il est organisé en journée. Quel jour veux-tu lire, Avrose ? Oh. Jour 0. Je suis le bibliothécaire en chef de la bibliothèque de magie. Je suis strict et rationnel, mais je reste un homme. M, la réceptionniste qui vient de commencer à travailler ici, est vraiment très mignonne. Ma femme ne va pas l'apprendre, mais je suis fou de M. Quand je suis avec elle, je ne trouve plus mes mots et je rougis comme quand j'avais 20 ans. Je n'ai jamais pu garder un secret ou dissimuler quelque chose, particulièrement à ma femme. Il faut absolument pas qu'elle apprenne ma fascination pour M. Du coup, je l'ai écrit dans un journal que tout le monde peut lire. Elle est très douée pour décrire ces choses toute seule. Croyez-moi, je suis bien passé pour le savoir. Je ne sais donc pas garder un secret ?
Ma femme me regarde bizarrement et elle semble avoir des soupçons. Mais je ne crois pas qu'elle se soit au courant. J'ai finalement demandé de trouver le courage, demandé à M si elle voulait dîner avec moi. Malgré mon âge, mes bonnes manières et ma grande intelligence font de moi un homme séduisant. Je suis vraiment content que mes parents m'aient poussé à toujours étudier, jour et nuit. Pour me rapprocher de M, j'ai décidé de partager mon journal avec elle. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas partagé un journal avec quelqu'un. Je vais trouver un titre parfait. Le théorème de Falcon par intégration magique. Vu à quel point elle déteste les mots compliqués, ma femme n'osera même pas l'ouvrir si elle le trouve. Incroyable. K, mon beau-frère et meilleur ami, travaille à l'école de magie. Il m'a rendu visite aujourd'hui. Ça faisait environ 3 mois que nous n'étions pas vus. J'ai rencontré ma femme grâce à K. C'est intellectuellement stimulant de pouvoir parler toute la nuit avec quelqu'un qui comprend la magie. Il m'a demandé s'il pouvait emprunter de bons livres pour ses étudiants, pour les pousser à la lecture. J'ai pour habitude d'être généreux avec tout le monde. Je lui ai donc permis de prendre lui-même les livres qu'il voulait, car j'étais trop occupé pour l'aider. C'est toujours un bonheur de faire plaisir à mon beau-frère. Vous voyez venir la couille. Parmi les milliers de livres de la bibliothèque, pourquoi a-t-il fallu qu'il prenne le théorème de Falcon par intégration magique? Il faut que je récupère. Si K voit ça, je peux certain que ma femme prendra. Le strict et sensible bibliothécaire de la bibliothèque de magie échange des pensées intimes avec une collègue. C'est tout simplement inacceptable. Si la vérité venait à être mise à jour, je serais contraint de démissionner. Et s'il laisse ses étudiants mettre la main dessus, ces petits voyants, je serais fini. Rien n'est écrit ici. Ah! Merde. Non, on s'en fout. On a vu, on a tout lu, on a tout lu, on a tout lu. Ok. Bracelet de l'eau. Oh, ce serait bien pour... pour Sheila, non? Oui. Ok. Ok, let's go. Bon, c'était moins relou que ce que je pensais, ce niveau de la bibliothèque. Yeah, ah, c'est bon. Jungle de Holo Holo. West. Attends. Fallait pas que j'aille au village sous la cascade? Je vois l'endroit. C'est bête, j'ai oublié d'apporter une borne pour me guider. Il est impossible de traverser cette jungle sans borne. Oh, c'est pas de chance, ma fiancée m'attend à Opu. J'aimerais tourner à l'école de magie pour demander une borne à la directrice, mais j'arrive pas à trouver la sortie. Si ça se trouve, je vais mourir ici. La sortie est là. On n'a pas de borne, nous, hein. Ce serait dans Arte. Là, je fais la cascade, il est là-bas. Ok, je viens de voir la cascade. Ok, donc on retourne là. On va à la bibliothèque de magie et on retrouve la directrice. Elle va demander un service, non? Vous sentez la couille arriver? Moi, oui. La directrice, elle était à droite, non? C'est pas genre. Non, c'est pas elle. Oui, je suis bien. Il a dit qu'elle. Ah, si, c'est elle. Vous voulez traverser la jungle de Hololo pour rendre un Opu, n'est-ce pas? Prenez cette borne et vous le permettra de traverser la jungle. Vous ne croyez pas? Ne prenez pas de haut juste parce que je suis petite. Partez maintenant. Ok. C'est vrai qu'on a fait toute la bibliothèque de magie, on a fait tout Poudlard. Hein, et il y a. Il y a aucun membre de la famille de Kuzman. Moi, ça m'attriste encore cette histoire. Hein. À chaque fois, on fait un petit tour à la con. On est persuadé qu'il y a une sortie au sud, alors qu'il n'y en a pas. Salut, j'ai une borne. Pas de chance. La sortie est juste là, mec. Hein. Le mec trouve pas la sortie. La sortie est littéralement derrière lui. Ok.
Oh, la petite tortue. Ignoble. 4, 4. Si je peux avoir un 6, c'est incroyable. On prend full light, hein. Oh là 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 là, incroyable cette histoire. Appareil photo. Et voilà. Et après, il n'y a que du défensif sur Gibari, on adore. Oui. Et c'est décédé. Oh, on tabasse, hein. On tabasse. Pretty, but... Pour la photo. On prend toujours la photo. Ah, elle est à droite, là. On va aller vers le haut. Yes. Quel bordel. Je peux pas aller à droite là. Je peux pas utiliser la borne. Est-ce que je peux aller à gauche là-haut? Ah, fallait aller tout simplement tout droit. Ok. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du au-dessus en dessous. Ça. Oh là, qu'est-ce que ces merdes? C'est dégueulasse. Putain, elle a tous ses finishers en main là. Ok. Là on manque de dégâts de feu en vrai. Je sais pas pourquoi on a pas de dégâts de feu sur Kalas. À la pêche. I'm gonna say good night. Crystal shock. Pas mort ce con. Ouf. Même pas mal. Même pas mal, mec. Même pas mal, mec. Mighty sword. Tu 324 dans le plus grand des calmes. On va le finir, hein. Finito Bambino, hein. On a peut-être un peu overkill, mais bon. C'est quand même trop moche pour exister, ça, hein. On reste comme ça. En plus on fait le gel, parfait. Et on tue. Bien wesh la team. Don't be thinking you can beat. 2, 3. 4, dommage, on n'aura pas la suite. On voit. Et. C'est la spatule.
Dommage. Et un finisher quand même. On est pas des bêtes. I'm gonna say goodnight. Crystal Shock. Hey, il est pas mort. Pas mort, puis il me tape 5 fois cet enfoiré. Même pas mal. Oh la bombe! Allez, dégage! Allez hop! On tourne, Jamami! Kalas, il fait des tours de dommages là. Pretty good! Là, il y a une échelle. Et on peut partir à droite. On va voir où va l'échelle. Ah, il y a le coffre. Le coffre! Magnus pendant en argent. Ça, c'est pour Li Hout, je crois. Est-ce que c'est mieux? Oui. Terminable cette jungle. En bas ou à droite? À droite. No mercy. No mercy. J'ai faim. Kyushi, viens me faire à manger, s'il te plaît. Kyushi, viens me faire à manger, s'il te plaît. Ah non, c'est vrai qu'on habite pas ensemble. Je suis triste. La photo. Que je fasse gaffe au healing là. J'ai encore un sabre quoi. En même temps, faut pas trop que j'enlève les sabres parce que je manque de combo 1 sur Kalas. Oh oui, la vie ça va. Let's go. Boum! Dans tes fesses! Hein? C'est quoi? Il y a plein de coffres là-haut, là, on est d'accord? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est un bait. We can win this. Est-ce qu'on veut une paire là? Ouh, le bon tirage. Prends cher bâtard, 325. Petit ça sur un... On le tue, c'est dommage. Faut que je... J'enlève le poison de Shell là. Oh, des prunes. Et là, on redescend. Oh, il y en a un haut de la map qu'on était tout à l'heure.
dommage, il y avait un 3, 4, 5, 6 à faire, mais je suis un peu un guignol, quoi. Oh, le gel. Oh, il est beau, le gel, là. Bien joué, Guibari. Et non, pas de poison. J'ai pas vu que j'avais le finisher de light, sinon j'aurais joué light. J'ai été nul. J'avais le finisher ténèbres, sinon j'aurais joué ténèbres. C'est nul ce que j'ai fait là. Ouais, ok. C'est pas le pire. Ça doit le terminer. Oh, surtout si on donne des trucs comme ça. Let's go, tornade déchirante! Oh, le 500 de dommages. Oh, je l'ai ouvert en 8. J'arrive d'en haut, je peux descendre, je peux aller à droite. Je suis là. Droite. Ah bah voilà, bien joué moi. Opu, le village sous la cascade. Et quand il y en a Opu, il y en a encore. C'est bon. Vous venez pour le festival de l'arbre céleste, n'est-ce pas? Si vous envisagez d'aller voir l'arbre céleste, je vous conseille d'oublier cette idée tout de suite. Seuls les gardiens peuvent approcher de l'arbre. L'accès est strictement interdit aux étrangers, et même aux villageois. Bonjour! On se repose d'abord. Tu repos là? Tu repos au calme. Acheter! Vendre d'abord. Vendre! Oui. C'est sûr qu'on vend, ouais. Ça, j'en ai trop. Voilà, 3750, let's go. Tiakiron, 3600, parfait. Le Mirabilis, faut le laisser se développer. Il y en a 2000 déjà, très bien. Très bien. Acheter! Barrette à plume. Cassos, merci beaucoup, mais de rien, mesdames. Plaisir de faire affaire avec vous. Le mécanisme est rouillé. Si je le graisse un peu, la roue à aube se mettra à tourner. Non, c'est pas ça. L'engin exige des réparations plus importantes. Je dois voir. Scrognonieux.
Three men, one lady, and a blue gravesman. You're looking for a lady, aren't you? Yes. Why? Really strong and amazing, right? I don't know about that. Who are you? Oh, I'm Billy. I'm Nathan, one of the keepers of the Celestial Tree. I'm just a beginner, though. How can you know about this? She told me about you. Said she had something to take care of, and that a bunch of people might come while she's gone. She told me to ask you to wait a while. You do know her, don't you? Why don't you come to my place till she comes back? It's right over there. Mm-hmm. Mais oui, on va l'attendre. Je me suis trompé de maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a à fouiller ici? Il y a quelque chose dans la baignoire. Du riz cru dans la baignoire. Pourquoi pas. Cet engin imposant est certainement relié à la roue à aubes qui soit extérieure. Même en tirant, en poussant, les rouages ne bougeront pas. Ok. Ça, c'est pour avoir du feu. On peut avoir un œuf dur. Est-ce qu'on veut un œuf dur? Pour l'instant, c'est inutile. Un petit Magnus de constellation. Un visage humain dans la pierre, ok. Comment, le festival d'arbres célestes? L'arbre céleste nous couvre de bienfaits depuis des années. C'est stupide de ne penser qu'à boire pendant les fêtes destinées à lui rendre hommage. Au lieu de faire la fête tous les 30 ans, mieux vaut toujours garder en mémoire les bienfaits de l'arbre et se montrer reconnaissant. Ok, Boomer. Bonjour madame. Madame, vous voulez pas me parler? Ouais, super l'ambiance. Un petit Magnus de Curie. Est-ce qu'on veut une flamme? Pour l'instant, non, pas besoin. Bon alors, petite. Vous n'êtes pas d'Anuenue, ça saute aux yeux. Où l'avez-vous rencontré? Qui ça? La femme dont vous m'avez parlé. Vous savez, celle qui est forte, courageuse et belle. J'aimerais lui ressembler quand je serai plus grande. Mais c'est impossible, je n'ai pas la carrure qu'il faut. Excusez-moi de vous parler comme ça, ma santé n'est plus ce qu'elle était. Je ne sais pas si mes vieux os me permettront de quitter mon lit pour aller admirer des fleurs célestes si elles s'ouvrent un jour. Mais qu'est-ce que tu racontes, grand-mère? Ça va s'arranger, je te le promets, je prie tous les jours pour que tu guérisses. Oh, si tu racontais à ces voyageurs ton passé de gardienne. Bah non, je m'en branle. Tu aimes quand je parle de cette époque? Eh bien, voyageur, voulez-vous écouter l'histoire d'une vieille femme? Putain. Ça sera long? Bah, est-ce que votre histoire est longue? Ah, comment l'histoire aussi vieille, une femme aussi vieille que moi pourrait-elle être courte? Prenez votre mal en patience et écoutez. Nous serions enchantés de vous écouter, madame. Super. Par où commencer? Je vais d'abord vous raconter comment j'ai vu un bouton céleste pour la première fois. C'était ma 7e nuit en tant que gardienne. Ma curiosité m'a poussé à grimper au sommet de l'arbre céleste. J'ai fait le tour par derrière et je me suis retrouvé face à un bourgeon géant. On dit que lorsque ce bourgeon éclot, les autres suivent dans la foulée, il a donc un rôle important. Ah, comme ce bourgeon était beau. Lorsque les gens meurent, ils retournent aux pieds de l'arbre céleste. Les fleurs célestes sont les âmes de nos ancêtres qui reposent dans cette terre. Si je rate cette occasion, je n'en aurai plus d'autre. Je voudrais vraiment voir ce bourgeon éclore. Je voudrais voir ça, au moins encore une fois. Tu le reverras, il va fleurir cette année. Tu vas guérir et nous allons le voir ensemble, d'accord, grand-mère? Oui, oui, ma fille, merci, petite conne. Alors, tu peux être rassurée? Ouais, 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 elle va canner la vieille.
Bon, je dois aller dans la maison d'à côté. Je vous préviendrai quand elle sera de retour, faites comme chez vous. Merci de tenir compagnie à ma grand-mère, nous ne recevons pas beaucoup de visites. A tout à l'heure. Ouais. Merde. Mayfie est devenue gardienne. J'ai l'impression que notre rencontre a été tracée par le destin. S'il vous plaît, prenez soin d'elle pendant votre séjour ici. Elle va prier pour ses parents à côté. On va la voir ou pas? J'étais en train de demander aux esprits de m'aider. Je prie ainsi tous les jours pour la guérison de grand-mère. Je prie également pour que la roue à aube fonctionne de nouveau. Comme ça, si la santé de ma grand-mère s'améliore pas, je pourrais au moins moudre les fleurs célestes pour concocter un médicament. Les médicaments faits à base de fleurs célestes vont renforcer ses défenses naturelles. Mais mes prières restent sans réponse. Après tout, je crois qu'il faudrait que j'offre des biscuits de cocomaille. Ah, prier, c'est tout ce que je peux faire. Elle nous dit la même chose, on peut lui... Elles sont là maintenant. Ok. Ça y est, je sais. Nous avons du temps à tuer avant le retour de cette fille. Et si on allait chercher des biscuits de cocomaille? Cocomaille. Bonne idée, cette petite fait de son mieux. Mais je crois que ça doit être dur pour elle. Je crois qu'offrir des biscuits de cocomaille est juste une vieille superstition. Mais si ça lui fait plaisir, pourquoi pas, hein? Et attendez, on est juste venu pour rencontrer cette femme, hein? On va pas passer notre temps en service aux autres, vous savez? Il a raison. Vous êtes des étrangers ici, et en tant que tel, vous ne devriez pas vous mêler de nos affaires. C'était raciste? Quoi? On dirait qu'il connaît Mayfi. Ah oui, jamais fait... Est-ce que j'ai déjà fait la voix de Liu? Je crois pas. On dirait qu'il connaît Mayfi. Peu importe, j'ai pris ma décision. Je cherchais des biscuits de cocomaille. Bien sûr, tu viens avec moi, Kalas. Mais on n'a pas déjà des biscuits de cocomaille? Putain, il y a un vieux qu'on proposait. Comment? Le festival de l'arbre céleste? L'arbre céleste nous coûte de bienfaits depuis des années. C'est stupide de ne penser qu'à boire pendant les fêtes des seigneurs. Oui, on l'a déjà parlé. Il y avait un vieux qu'on proposait des biscuits de cocomaille à cocomaille. Respirer les senteurs de l'arbre céleste et admirer la cascade, c'est tellement relaxant. Je vais me faire refaire un masque à la sève aujourd'hui. Pour que vive aussi longtemps, pour vivre aussi longtemps que l'arbre céleste. Mais on dirait que la roue à aube ne fonctionne plus du tout. Si on répare pas vite, elle va céder sous la pression de l'eau. L'occupante de la maison, elle est s'est installée au village il y a un moment. Elle est un peu froide, mais vraiment très belle. Ah, donc pas ici. Dis-moi, Ambrose, moi tu en sais plus. Oui. Pourriez-vous en dire plus sur la femme qui habite ici? Je ne la connais pas très bien, mais je vais vous dire tout ce que je sais. Elle est autonome, solitaire et peu sociable. Elle se rend régulièrement dans les montagnes, toute seule, et rapporte d'horribles monstres. C'est une excellente chasseuse, je crois d'ailleurs que c'est pour ça qu'elle est là. Maintenant, elle attend que sa proie vienne jusqu'à elle. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne. Tenez, prenez ça, c'est le vent qui est parti jusqu'ici. Parfait. Vous fouillez chez elle? C'est du feu. Ok. Non. On retourne à cocomaille là. On va save et on fera ça la semaine prochaine.